Bonjour à tous et à toutes, c'est ProMinecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça sera toujours une vidéo info. Donc franchement, je suis super content de vous retrouver parce que ça fait super longtemps tout simplement que je n'ai pas fait de vidéo. Donc pour l'instant, ma souris bug un petit peu. Je tourne en... Ouais non, ça va. Je bug pas trop encore. Voilà. Donc alors, on se retrouve sur l'Ultimate, comme d'habitude, comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent, voilà, je suis passé. Donc rien n'a changé pour l'instant, je rentre de vacances. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo pour une petite mise au point de mes vacances. Donc tout s'est bien passé, je me suis éclaté. Donc maintenant, reprenons les choses sérieuses. Donc alors, il me manque des sous, tout simplement... 400 euros, ce qui n'est pas énorme, on va dire. Donc pour l'instant, j'ai deux gros écrans devant moi, avec un clavier. Voilà. Donc il me manque la tour, tout simplement. Juste la tour. Et puis j'aurai tout. Donc encore, il me manque le plus important. Voilà. Voilà. Et le serveur ouvrira. Donc vu que je n'ai pas les 400 euros et je les ai pris... encore, on va dire, pas tout de suite. Donc j'ai pensé faire peut-être un port dans le serveur, un port sur le serveur, ce qui serait ouais, pas mal. Un port, j'avais pensé à un hôtel aussi, des nouvelles maisons, donc des villas à vendre, mais même des manoirs, on va dire, on va appeler ça, parce qu'ils sont juste énormes. Donc je tiens à rappeler que c'est pas moi qui construis les maisons, c'est pas moi qui les ai inventées quoi. Donc sinon pour l'instant il a rien changé, c'est toujours le même. Hormis le fait qu'il y a ces panneaux. Non. Attendez parce que j'ai une page web qui vient de s'ouvrir. Ça me saoule. Voilà. Donc hormis tout ça, voilà, ça. Donc là-bas on a le site du serveur. Le site officiel qui est déjà ouvert d'ailleurs, sauf l'IP du serveur bien sûr que je n'ai pas configuré encore. Donc voilà, http.site.google.com site ultimate server minecraft slash. Donc voilà, ça c'est tout simplement le site du serveur. Donc là on a bonjour et bienvenue sur l'ultimate server. Voilà, je sais pas si j'avais montré déjà, je crois que non. La bannière non plus, tiens d'ailleurs. Je sais pas. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc une petite mise au point. Donc désolé pour la pub aux autres serveurs, mais je vais devoir vous montrer le début. Donc regarde. Hop, on arrive sur mon Minecraft multijoueur. Ah mince. Pile quand il fallait pas. Voilà. Ben désolé, mais là j'ai encore une autre page web qui vient de s'afficher et là mon ordi bug. Bon. Voilà. Donc alors. Oula, oula la 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 la. Qu'est-ce qui va pas là? Voilà, c'est bon. Je sais pas si ça a coupé, mais j'ai eu un gros lag. Voilà pourquoi je veux changer d'ordi tout simplement. Voilà. Donc on revient sur mon écran. Voilà. Et là, on a. Attendez, je vais le reload. Oula, ça bug. Désolé, je reviens. Voilà, donc j'ai réglé le problème pour mon AMS. Ce qui est nul. Voilà, voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, pour l'instant c'est comme ça, c'est parce que voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc The Ultimate Server. PVP, survie, ville, mine et trois petits points. Donc on va rejoindre. Si ça veut bien cette fois. Allez. Je tourne à 30 images par seconde hein, pour l'instant. Mais bon, vous allez voir, ça va baisser. Hein. Allez, s'il te plaît. Connecte-toi. Meilleure tentative. Bon, ben il veut plus. Je crois que c'est parce qu'il a pas fini de se relancer le serveur. Et parce que je l'ai carrément relancé parce que sinon. Ouais, il attend.
Il est en train de préparer le spawn de la ville, donc. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Ouais, mais non, c'est pas fini encore. Tellement de choses sur ce serve. C'est pour ça, hein, il y a plus d'une dizaine de plugins environ. Environ, hein, parce que. Je crois que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Je suis connecté, donc voilà. Oula. Oula, oula, oula. Je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc on y est cette fois. Donc tu arrives dans la partie survie. Donc le PVP est activé. Mais vous ne pourrez pas casser les blocs pour l'instant. Donc alors, la banque, toujours rien changé. La ville, il y a... Oh ben voilà. Je sais pas si j'avais montré, donc je vais remontrer. Voilà, arène des champions. J'ai les métiers déjà disponibles que j'ai fait moi-même. C'est moi qui ai écrit le livre. Bien sûr, avec un plugin, après, j'ai copié-collé, on va dire. Private, 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 private. Ah mince, ça m'énerve, c'est pas jouable. Désolé. Hein. Voilà, c'est pas grave, je vais la laisser. Du coup, je tourne 6 images par seconde, 5, 7, voilà. C'est pas énorme, c'est même nul. Vous inquiétez pas, avec le nouveau PC, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est bon. Je tournerai vers 20 images par seconde tout le temps. Donc voilà les emplois. Donc je vais vous les montrer. J'ai tout calculé, vous inquiétez pas. Ah oui, j'ai tout mon Nintendo. Hop. Le coffre qui reste ouvert, tout va bien. Ah mince, voilà. Donc alors, policier 5, Pôle emploi 2, banque 3, verre détente 4. Verre détente, c'est pas ouvert encore. Donc je préfère vous le montrer quand ça sera fini. Donc mine 8. 8 à travailler dans la mine. Et la sécurité, on en a besoin que de 6. Donc j'ai aussi préparé quelques trucs. Par exemple, pour les policiers, j'ai préparé un stuff. Ça s'empile, génial. J'avais pas vu. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai préparé pour les policiers. Donc ils auront le stuff là, qui sera givé automatiquement. Donc alors, ils auront. Ça, je vais devoir le crafter. Voilà. Je connais pas les divins. Ils sont sur un papier que j'ai oublié. Il est en bas chez moi. Donc IRL, hein. En bas IRL. Est-ce que ça pourrait marcher avec ça? Voir. Je teste complètement. Je ne sais pas du tout. Non, ça marche pas. Hop, voilà. Voilà. J'en aurai assez, ça c'est sûr. Voilà, hop, 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 et je sais plus si c'était comme ça, ou si c'était, attendez, HB, j'ai testé un truc que j'avais pas testé, je vais devoir ouvrir l'inventaire, c'était dans divers, c'était, non, c'était pas, c'était dans matériaux alors, je sais plus, les matières premières, c'était avec la violette. Je vais en prendre un stack directement. Hop. Place de ça. Hop. J'ai encore des pages qui s'ouvrent, hein, mais c'est pas grave. Je sais plus si on peut faire comme ça. Non. Donc voilà. Voilà, donc le policier, il y aura. Bon, moi j'aurai un skin de policier parce que tout simplement parce que je suis admin. Hein. Donc c'est mon serveur, on va dire. Voilà. Donc ils seront comme ça. On tue des bras. Dommage, je sais pas. Je sais pas si on peut mettre deux couleurs, c'est-à-dire à la place du bras, là, Aimeriez-vous mettre... faire beaucoup d'argent pour une fois? Évidemment. Vraiment désolé, c'était une pub. Donc voilà. Donc je ne sais pas si on peut mettre deux couleurs. Je sais pas du tout. Enfin, je sais pas comment on fait surtout.
Donc ça serait cool. Comme ça, je mettrais un peu violet aussi, comme ça. Voilà. Donc il aura ça et une épée en bois. Est-ce qu'on peut la reteindre? Je vais essayer. Est-ce qu'on peut reteindre l'épée? Non, dommage. Donc ça sera une épée en fer. Donc voilà un policier. Quoi il ressemblera. On n'a pas F3, F5. Voilà le policier. Et bien sûr, ça sera une... Add pro Minecraft 57 policier. Mince. Je crois que ça s'est attaché. Voilà, et là il parlera et vous arrêtez-vous. Il aura la commande kill le policier. Il me semble que je l'ai. Voilà. Mon nom est en rouge parce que je suis admin dans groupe manager et admin en simple. Sans groupe manager aussi. Ce qui me permet d'avoir encore un peu de commandes en plus. Parce qu'il y a des commandes qui ne marchent pas dans groupe manager. Donc là, je sais pas pourquoi ça me l'affiche en violet, ici, là. Mais normalement, c'est configuré pour que ça me l'affiche en bleu. Donc, je sais pas du tout. Voilà, donc je vais me remettre... Attendez 2 minutes. Mon créateur, j'étais... Voilà, parfait. Donc, voilà, je suis en créateur. Donc, voilà. Donc ça, je vais me clear, tout simplement. Ah mince. Il y a du stuff qui est pas parti. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va aller chez moi. Bug. C'est pas grave, je vais finir la vidéo, je vais pas changer de skin maintenant, c'est pas grave. Je suis en Mexique, je sais pas pourquoi, il y a 2 minutes j'y étais pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Je tiens à dire que quand j'ai commencé les vidéos, c'était sur tablette et j'étais en Mexique. Alors, c'est pas très grave. Et j'ai l'impression de moins bugger. Ouais, exactement. Donc voici la maison du créateur modérateur pour Minecraft. Voilà. Hop. Et voici la maison du co-créateur de Creeper 57. Donc voilà. Ça charge bien. Non, ça charge pas bien. Donc au niveau des maisons, rien n'a changé pour l'instant. Je vais travailler. Peut-être seul monde qui sort juste après celle-là. Donc je verrai bien. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo sous un skin tout moche qui s'appelle le Mexicain de Minecraft, c'est-à-dire le joueur normal. Donc voilà, j'ai appris des trucs en redstone, ce qui est... Ah oui, c'est le seul truc qui a changé. Voilà, je me suis fait... Oui, je sais, je suis pas cheaté, oui, d'accord, je l'avoue, voilà, j'ai pas la tête des robots. Ah tiens, j'ai une idée, je vais mettre ma tête au moins. Merde, désolé. Voilà. C'est un skin too much. Voilà, vous allez voir un skin too much. Voilà, donc merci. Ça me fait trop rire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, commentez, enfin vous faites ce que vous voulez. Si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous. Pour plus d'informations, allez voir le site du serveur pour avoir voilà, le site du serveur vous indiquera quand il va ouvrir. Donc, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Je pense qu'il ouvrira vers septembre. Je pense, hein, environ. Enfin, je vous tiendrai au courant de façon dans mes vidéos. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte sous un skin tout moche que je vais devoir aller changer avant de faire la seule au monde, si je la fais maintenant. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.